Moi, c'est devenu invivable. C'est même plus la villa des culs brisés, là, c'est la villa des bagarres. Moi. Ils s'embrouillent chez moi. Oui, ils viennent pour se battre, en fait. Heureusement que Lolo a fait de la quiche. Pour manger de la quiche. Chez Lolo, pour manger la quiche à Lorient. Avec des temps. Sans bagarre et pour se détendre. Il y a quelques heures, il y a deux filles qui ont encore osé se battre chez moi pour une histoire de shampoing. Je suis à bout. Mon lit est cassé. Il y avait déjà la barre principale cassée, maintenant il y a celle-là. Il y a un tas d'humains qui s'installent sur mon lit comme si c'était la mer. Je peux plus. Et Saya, elle a fait un truc, ça passe pas. Elle était posée dans ma chambre sur mon lit après sa dispute de shampoing. Camille re-rentre dans ma chambre. Et Saya dit à Camille, dégage de la chambre. Mais t'es qui? T'es chez toi? Mais moi j'ai l'impression que je suis plus chez moi dans ce... Mais moi j'ai pas eu le courage de te dégager de chez moi, Saya, alors que tu sers à rien. Voilà, c'est n'importe quoi. Je peux plus. Je suis à bout. Est-ce que c'est normal qu'à 5h du matin, je dois réparer mon lit pour espérer pouvoir dormir dessus pendant que tout le monde dort dans un bon lit? On nous a chargé d'une mission. Il faut qu'on ramène du bois. Du coup, on s'est arrêté au bord de la route. Tu crois qu'on fait du feu avec ça? Mais je sais pas. Ils vont nous insulter, non? Ben, au moins, on a fait l'effort de participer. Ben ouais, voilà. Allez, par contre, t'as amené du bois pour la grillade. Je peux le mettre dans ton cul. Et ça, c'est quoi pour ton lit, ça? Il est cassé, celui-là. C'est bon? Par contre, t'as amené du bois. Farah nous a organisé une petite grillade. Il y a tout le monde. Bon, je vous avoue, nous on arrive, on a tapé la salade, cache, on sait bien pas. On est trop bien, on en peut plus. Ah là là, il est là. Arrêtez la pauvre Camille. Ça se fait pas. Ah non, mais je peux même pas suivre. Ce que j'ai dans ma pute. A toute bison, on fait pas de story pendant une heure parce qu'on a des papouilles et tout. Attention. À Morgane, on a une résolution. Maintenant, on met des surchaussures. Ouais, ma go, tu dead. Non, en vrai, je vous explique, les gars, je fais la toile, je ne sais pas combien de fois par jour. Regardez, s'il vous plaît, l'état du sol. Bah, ça me dégue. Donc maintenant, tout le monde met des surchaussures, sinon, ciao. Papou, maintenant, il faut que tu mettes ça sur tes pieds. C'est bien qu'on mette ça sur les pieds. Allez, mais ça, Papou, sérieux. Il y a un petit bada, allez, bada, ça m'a dégagé. Il y a un bébé. Aïcha, on a une nouvelle règle. Ok, il faut mettre ça. C'est bon, oui.